Comment est-ce qu'on dit auteur ou autrice de bande dessinée? J'en lisais beaucoup étant enfant et adolescente. Que c'était un genre qui était prisé par toute la famille en fait. J'ai pas dû me cacher de mes parents comme l'ont fait pas mal de gens de ma génération. On aimait lire de la bande dessinée dans la famille, donc le virus a été transmis dès le plus jeune âge. J'ai fait des études artistiques, mais peut-être pas avec l'idée très précise de faire de la bande dessinée tout de suite. Et j'ai retrouvé cette envie en cours d'études pour continuer à dessiner. Et parce que finalement, ce qui m'intéressait, c'était de raconter des histoires. Hein, donc ce côté hybride de l'histoire en images. Dans l'ère franco-belge, on était une dizaine à tout casser à mes débuts. Et que maintenant, il y a 250 ou 300 femmes, soit dessinatrices, soit scénaristes, soit coloristes, soit les deux ou trois en même temps. En gros, on est passé d'un petit 2 ou 3% à presque le tiers. Presque un tiers des auteurs sont en fait des autrices. Ça ne se reflète pas encore vraiment ni dans les sélections, ni à plus forte raison dans les prix. Mais ça, c'est un problème de visibilité qui touche globalement les femmes artistes, hein, toutes disciplines confondues. Et j'ai envie de dire dans n'importe quel domaine, puisque on le sait, dès qu'on s'élève un peu dans la hiérarchie, quelle qu'elle soit, on trouve de moins en moins de femmes. Il y a quand même un problème culturel qui est très français, là, pour le coup. Je pense pas que ça soit au même point en Belgique, par exemple, enfin, ou dans d'autres pays européens. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un problème franco-français sur la place des femmes dans la société au sens le plus large. Je me souviens, le mal que j'ai eu de ce point de vue-là, à passer d'un personnage principal masculin à un personnage principal féminin. Ma première bande dessinée, le personnage principal était un homme parce qu'il n'y avait pas d'exemple à part Cellulite, à part des bandes dessinées humoristiques, mais en réalisme, parce que moi j'ai un dessin réaliste, il n'y avait pas d'exemple à l'époque d'un personnage principal féminin. Bon, il y avait Laureline dans Valérian, mais c'était quand même Valérian le personnage principal. Laureline avait pris de l'importance au fil des années. C'est là le grand talent de Christin comme scénariste et de Mézières qui avait senti dans les années 70 que les choses étaient en train de changer. Mais quand même, moi je sais que ça m'a pris du temps en fait à sortir de ce schéma-là, de me dire un personnage de bande dessinée, un héros, enfin un personnage principal, j'aime pas tellement le terme héros parce que moi c'est toujours plutôt été des anti-héros et des anti-héroïnes, pourrait être au fond une femme. Pour autant, quand j'ai choisi de m'exprimer moi-même avec la bande dessinée, j'en ai pris conscience que quelques années après, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre, quoi. Et c'est quelque chose qu'on retrouve, je vais faire un parallèle avec le roman policier. Dans les romans policiers de Patricia Highsmith, elle était dans un genre où il n'était pas encore possible ou envisageable, parce que le lectorat était majoritairement masculin, d'imaginer des personnages principaux ou un personnage récurrent, une inspectrice, je sais pas quoi, une enquêteuse. C'est venu après. Ça prend du temps, quoi, je veux dire, en fait. Moi, mon œuvre, voilà, je la sépare entre des œuvres dont j'ai écrit le scénario, qui sont maintenant minoritaires, je pense, par rapport à des albums que j'ai écrits en collaboration avec un ou une scénariste. Les deux m'intéressent et j'ai du plaisir aux deux pour des raisons assez longues et des raisons différentes. Mais une étape qui a compté, c'est précisément d'accéder au personnage féminin principal, qui est le cas dans un récit d'une vingtaine de pages qui est paru dans une collection qui a malheureusement pas duré très longtemps, qui était les recueils autrement en bande dessinée. Donc là, j'avais fait pour le hors-série Avoir 20 ans en l'an 2000, une histoire dont la narratrice et le personnage principal étaient une femme. Et c'était une histoire que j'ai écrite moi-même. Donc ça a vraiment été, je crois, un moment qui a compté. Et de la même façon, finalement, quand j'ai retrouvé l'écriture personnelle de scénario après un moment de collaboration sur les deux albums de La Bouchère, là aussi un personnage principal féminin, comme par hasard, et à nouveau un tournant, bon, on va dire que tous mes tournants importants, c'est quand même des moments où je retrouve le fait d'être seul maître à bord, avec Sharon Boukadir, qui est le premier et le seul pour l'instant de mes livres aussi autobiographiques
et où en même temps, enfin, c'est autobiographique dans la mesure où il y a du jeu, mais pour autant, c'est quand même un livre où j'aborde des questions qui me tiennent à cœur, politiques, historiques, histoire contemporaine, etc., etc. Mon premier album est sorti en 83 et à cette époque, je me souviens avoir entendu une conversation entre libraires où ils étaient tout effarés parce qu'il y avait 700 nouveautés par an. On en est à plus de 5000. Hein, donc à la fois, cette énorme production fait qu'il y a énormément de choses formidables. Hein, que, c'est clair hein, qu'il y a un foisonnement et une créativité étonnante. Mais elle n'est pas toujours visible parce qu'elle est noyée dans la masse. Quoi. Mais c'est valable dans tous les domaines culturels. Enfin, 18 nouveaux films par semaine, le temps que vous vous réveillez, ils ne sont plus à l'affiche, quoi, à l'exception d'un ou deux. C'est vrai pour la littérature, les rentrées littéraires, c'est vrai pour les spectacles, pour les expositions. Enfin, il y a un tel foisonnement. Alors à la fois, c'est enthousiasmant. On dit « Waouh, il se passe plein de trucs ». Mais c'est pas pour ça que c'est très accessible. Les goûts, la diversité des goûts, elle n'a jamais été aussi satisfaite qu'aujourd'hui. Je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts.